Que puis-je faire pour toi? Miss Hermès, toujours t'accompagner.
doit y avoir... Te voilà. La Gauze vit toujours, alors. Où sommes-nous, au juste? La Gauze est un personnage public en Arcadia. C'est ici qu'il mène ses affaires privées. Rappelle-moi, pourquoi tu cherches à sauver l'homme qui veut nous tuer, ma mère et moi? Je connais la Gauze depuis longtemps. Il nous a envoyé des vivres lorsque mes soldats mouraient de faim. J'ai du mal à croire qu'il ait pu renier ainsi son honneur. Qu'est-ce que tu cherches? Si nous parvenons à trouver qui manipule la Gauze, nous n'aurons pas à verser le sang. Je croyais que les Spartiates en buvaient dès le matin. J'en ai vu couler beaucoup trop. Mais je garde espoir. Tu te ramollis, Brasidas. Quand Léonidas est mort aux Thermopyles, nous nous sommes tous unis contre un ennemi commun. Athéniens et Spartiates ont lutté côte à côte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un. Est-ce qu'on t'a suivi? Non. Bien. Tu as la lettre de la Gauze? Je l'ai, oui. Notre tâche, c'est de livrer ceci à l'arbre brûlé, près d'un champ doré. Quelqu'un nous y retrouvera et l'apportera au repère. Une lettre de la Gauze. J'y trouverai peut-être les réponses que je cherche. Je vais les suivre. Continue à fouiller la maison.
Reste là, compris ? On m'a amené ici avec la famille de Lagos. J'ai cru qu'on allait nous tuer. Où sont-ils ? Sous terre, avec de nombreux gardes. Tu vas aller dire à mon ami Brasidas que je les ai trouvés. Ils devraient être dans une vieille ferme au nord-est de Tegea. Compte sur moi. Merci aux dieux de nous avoir sauvés. C'est l'heure de se battre. Ma tête vaut sûrement cher maintenant. On m'a amené ici avec la famille de Lagos. J'ai cru qu'on allait nous tuer. Où sont-ils ? Sous terre, avec de nombreux gardes.
Tu vas aller dire à mon ami Brasidas que je les ai trouvés. Ils devraient être dans une vieille ferme au nord-est de Tegea. Compte sur moi. Merci aux dieux de nous avoir sauvés. Tu vas me rapporter. Cassandra, c'est Brasidas qui m'envoie. On va rentrer chez nous? Je n'en sais rien. Cela fait des jours que nous sommes dans cette grotte malsaine, sans nouvelles de Lagos. Vous êtes libre, mais ce serait dangereux de retourner voir Lagos. Les méchants sont toujours avec Père. J'ai entendu parler du culte de Cosmos. Des rumeurs. Depuis que mon mari a de nouveaux partenaires commerciaux, il y a des gardes autour de notre maison. D'après lui, pour notre sécurité. Mais un jour, ces mêmes gardes nous ont traînés ici. Ils obligent ton père à faire ce dont il n'a pas envie. Je vais trouver Lagos et le libérer de ces... méchants. Et nous? Je ne peux pas retourner voir ce misérable. Et maintenant que ses gardes sont morts, on est en danger. Pour l'instant, allez voir mon ami Brasidas. Vous le trouverez au refuge, au nord-est de Tegea. Là où Lagos tient ses réunions secrètes. Tu es en colère, mère? Je te remercie de nous avoir sauvés. Nous irons voir Brasidas. Kéré.
Nos sacs se font plus légers. Ils sont encore trop lourds pour les chevaux.
cherche les ennuis. Hey, doucement, calme-toi. Je le vois. Il faut que je lui parle. Je le vois. Αθωότατο σημείο. Διατίευε.
Ah, tu es revenu. Merci de nous avoir libérés. Ce chien de Galéos nous faisait travailler sans relâche. Je vais pouvoir retrouver ma famille.
J'ai libéré les esclaves. J'ai soigné ses blessures pour qu'il ne meure pas, mais il n'est pas encore sauvé. Je ne sais pas si je pourrais me résoudre à le guérir. Tu comptes rester là à regarder cet homme mourir ? Tu dois accomplir ton devoir et le soigner, c'est la tâche que t'ont confiée les dieux. Aider les gens, sans les juger. Si je ne fais rien, je ne vaux pas mieux que lui. Je vais l'aider à se rétablir. Et quand il le sera, rappelle-lui que nous avions sa vie entre nos mains. Seuls les dieux détiennent le pouvoir de vie et de mort. Ce que je fais n'est rien comparé à leur bienveillance. Tu as tout de même épargné à beaucoup la descente du Styx. Mais regarde la peste. Malgré tout mon savoir, mon expérience, je n'ai rien pu faire contre elle. Je dois accepter les limites de mon art. Merci de ton aide, mon ami. Je dois partir. Un patient à examiner ailleurs. Ah!
La Grèce se portera beaucoup mieux sans toi. Nous ne nous laisserons pas manœuvrer par les athées. Nos lames ruisselant du sang de l'ennemi montreront à nos dirigeants que ma stratégie est la bonne. Ces sauts devraient aider à les convaincre. Tu as bien travaillé. Nos troupes font mouvement. On sous-estime trop les Spartiates. Ils ne me voient même pas comme un Spartiate. Frappons à nouveau. Le commandement athénien mettra du temps à réagir. D'accord pour aller tuer d'autres commandants de fort ? Je vais tuer ces chefs et ouvrir la voie à tes troupes. Seuls les fous veulent la guerre. Et pour l'instant, les fous sont nombreux dans les deux camps. Les nouvelles sont bonnes ? Mes tactiques ont entraîné le renvoi de chefs athéniens pour négligence. La disgrâce est mieux que la mort. Tu es une alliée fiable. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons contrôler les forces ennemies. J'aimerais te poser une question avant. Une perte de temps. Je ne pense pas grand bien du commandement spartiate. Quand je m'élève, il s'incline. Kéré. Tu es encore ici ? Va décapiter le commandement ennemi ! C'est comme si c'était fait.